Très régulièrement, lorsque des gens ont l'immense honneur de croiser mon dernier-né, Adrianus, grand nombre d'entre eux ne peuvent s'empêcher de s'exclamer « qu'il est beau !» Normal portrait de son père. « Il est à croquer !» À ce moment, mon sang ne fait qu'un tour et je me mets à vociférer « remballe tes crocs et tes babines de cannibale !» Il faut alors toute la patience de ma famille pour me calmer. Alors, ça veut dire quoi, être à croquer? Voilà un magnifique exemple de verbe polysémique, qui signifie avoir plusieurs sens, voire vouloir dire des choses complètement différentes. L'origine de ce mot est un bruit. Croc. Le bruit que fait quelque chose de sec quand on le met sous la dent. Et on l'a tout simplement orthographié croc, C-R-O-C. Il arrivera la même chose au son crac. Un son, un mot, un verbe. Ce qui n'explique pas l'arrivée du K au XIIIe siècle, lorsqu'apparaît le verbe croquier, qui garde l'idée de bruit sec et signifie frapper. Dès 1392, quand on croque, on brise, on fait craquer quelque chose. Oh, encore croque et craque. Il faudra attendre un peu de temps, le XVe siècle, pour que le K soit remplacé par QU. Sans doute plus joli, le K c'est caca, le Q c'est... À ce moment-là, on revient à l'origine, puisqu'on broie sous la dent avec un bruit sec. On dit alors « croquier des noisettes ». De là, l'appétit des mâles concupiscents étend le sens à tout ce qui peut leur tomber sous la dent ou dans leurs bras. Et en 1665, on croque les femmes. Enfin, on obtient leur faveur, quoi. Et « croquer » devient presque synonyme de « dévorer ». Ainsi, on va commencer à croquer le magot, l'argent, la retraite de sa tantine, bref, dilapider. Pendant ce temps, gardant à l'esprit l'idée du bruit sec, le verbe croquer prend parallèlement au XVIIe siècle le sens d'ébaucher une peinture, un dessin, coup sec du crayon, sur le papier d'où vient le croquis. Le participe passé croquer prend le sens de pris sur le vif. On disait « vous êtes belle à peindre, beau à croquer ». Croquer veut dire garder un souvenir concernant un enfant avant qu'il grandisse et devienne vieux et laid. C'est une mesure du temps, en quelque sorte, que ce croquis. Cela étant dit, attention, croquer un enfant, il mériterait d'être dessiné tant il est beau comme son père dans l'hypothèse Adrianus, n'a aucun, mais alors aucun rapport avec l'expression « croquer le marmot » qui signifie « se faire chier, attendre longuement » qui date du XVIe siècle. À cette époque, à la porte principale d'une maison se trouvait un heurtoir qui figurait bien souvent un personnage difforme au sourire grimaçant. Depuis une centaine d'années, 1480 pour être précis, un rapprochement était établi entre la tête d'un petit singe et d'un petit enfant. Marmot passe de petit singe à enfant sans autre justification qu'un simple délit de sale gueule, quoi. Puis il prend fin Renaissance début 17e, le sens de ce heurtoir à grimace. De ce marmot singe vient également le mot marmotter, à cause des mouvements continuels que les singes font avec leurs babines, qui prend le sens de murmurer de façon indistincte. Bref, ce marmot, pour faire savoir qu'on attend à la porte, on va le croquer, c'est-à-dire taper d'un coup sec avec le heurtoir. Et la réponse n'est pas systématique. Donc, on risque de croquer le marmot plusieurs fois avant une ouverture de porte espérée. Alors, on attend. Toc, toc, toc. Papa, tu me croquerais, moi? Te taper avec un coup sec? Avec plaisir. Et Adrianus? Ah, lui, je le dévorerai. Mais te baiser. Ah.
pouce en l'air, commentaire, abonnement, wesh. Je sais pas pourquoi.